Les plans de l'avion, réalisés par M. Charles Lindbergh, ont été validés par l'ingénieur Donald Hall, qui leur a toutefois apporté quelques modifications dans un souci d'aérodynamisme. Les premiers essais n'ont pas été des plus convaincants. Après un vol sans encombre, l'atterrissage dans un champ de betteraves fut chaotique. Un pneumatique a éclaté au contact du sol, provoquant le bris du train d'atterrissage. Mais les ouvriers, fort vigilants, ont su remédier à ce problème dans la journée. Le moteur du Spirit of St. Louis, commandé à la firme Wright, est un moteur en étoile de 220 chevaux vapeur. Les matériaux constituant le corps de l'aéroplane ont été choisis dans un souci de légèreté, de même que les éléments embarqués à son bord. Monsieur Gordon aime à prendre soin de son personnel. Aussi faisait-il livrer quotidiennement 5 caisses d'une boisson non alcoolisée à l'usine. Monsieur Lindbergh, pour sa part, apportait un soin appliqué à la préparation de son monoplan. On peut dire qu'il ne manque pas d'air. Grâce au contrat liant le colonel Lindbergh à M. Benny Gordon, le marché de l'Europe s'ouvrira bientôt aux produits de la Benny Gordon Industrie. Ainsi, il ne serait pas étonnant, d'ici quelques mois, de voir nos amis outre-Atlantique délaisser leurs escargots et grenouilles pour se ruer sur ces aliments dont raffolent déjà bien des Américains. Pour l'occasion, une grande réception a été donnée au Benny's Bar, le haut lieu des soirées de la ville. Une foule bigarrée s'y pressait, les sportifs côtoyant les starlettes de cinéma et les personnalités politiques dans une ambiance de fête débridée. Monsieur Lindbergh, qui a été vu en charmante compagnie, semblait s'y amuser follement, se livrant à des danses endiablées au son du fameux orchestre de Chick Webb. Profitez-en, mon colonel. Vous n'aurez bientôt que l'océan pour piste de danse. Offert par les saucisses Spirit. Saucisses Spirit, aussi bonnes crues que cuites. Qui l'eût cru ? La pluie, dans le vent, les ouvriers ont conduit l'aéroplane en bout de piste sous le regard d'une foule dubitative. Puis, installé aux commandes, notre jeune héros s'est élancé face au vent. L'avion surchargé de kérosène et de saucisses a rebondi sur la piste à 4 reprises, puis s'est arraché au sol gras et boueux, passant au ras de câbles électriques. Adieu, colonel Lindbergh, semblait lui dire la foule. Mais maintenant, après des heures de navigation, après des avaries provoquées par un vol de canards, maintenant, où est cet aigle solitaire? Que fait-il, seul, au-dessus des flots? Est-il seulement encore en vie? Si c'est le cas, gageons qu'il se régale du lever de soleil, qu'il rêve de laurier, qu'il espère le succès. Gageons que les Français,
sauront l'accueillir comme il le mérite, comme un héros des temps modernes.